Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une écharpe et si vous le désirez, cette écharpe peut se transformer en étole, c'est-à-dire, donc j'ai utilisé le point, c'est un point fantaisie qu'on peut appeler soit bubble, soit pomme de pin, donc comme vous voulez. Vous allez voir, il est très très simple à réaliser. Alors pourquoi écharpe ou étole? Si vous le voulez en écharpe, regardez, vous le laissez comme ça. Si vous le voulez en étole, je vais le repasser et nous allons avoir quelque chose comme ceci, regardez, d'une largeur comme ceci. Donc là, je vous le présente sans l'avoir repassé et tout à l'heure, je vais vous le présenter après l'avoir repassé. Donc je voulais que vous ayez un aperçu avant et après. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, le laisser comme ça et faire une écharpe ou alors le repasser et faire une étole ou alors même le repasser et faire une écharpe. Tout dépend du nombre de mailles que vous allez monter. Donc, il est très très agréable, regardez, si vous tricotez avec une laine qui est assez fine. Si vous désirez tricoter avec une laine épaisse, vous pouvez très bien le réaliser avec une laine épaisse, les tricopines. Donc, comme je vous l'ai dit, il est assez simple. Et si vous désirez donc réaliser une écharpe, tout dépend des dimensions que vous désirez obtenir. Donc là, c'est un... Pour réaliser ce point, ce sont des multiples de 5. Ce sont des multiples de 5 plus 2 mailles lisières. Je vais vous donner en centimètres le résultat que nous obtenons. Regardez, j'ai à peu près 29-30 cm et moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fois 5 mailles, ce qui nous fait 17 fois 5 mailles plus 2 mailles lisières. Et le point se tricote, regardez, sur du jersey endroit et point mousse. Il est vraiment très simple à réaliser. Donc, j'ai une base de 85 mailles. Pour celui-ci, moi j'ai utilisé la laine, j'ai utilisé une laine assez fine, les tricopines. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, la laine de votre choix. Vous pouvez utiliser ce point pour réaliser vos pulls, vos écharpes. Vous pouvez même faire des couvertures bébé, ça peut être très sympa. Et si vous le réalisez, moi j'ai choisi la couleur melon, je sais pas, c'est une couleur qui me plaisait bien. Si vous le réalisez avec une couleur blanche, en utilisant une laine en alpaca, en angora par exemple, ou une laine pailletée brillante, vous pouvez même obtenir un très beau châle ou une très belle étole pour les mariés. Donc, je vais vous expliquer la réalisation, mais avant de passer à la réalisation, je vais vous montrer le résultat repassé. Donc, c'est vraiment très très simple, les tricopines, vous allez voir, et le résultat est vraiment, regardez, comme vous pouvez le voir, très très sympa. Je vais rapprocher un peu de façon à ce que vous puissiez voir le rendu. Et voilà le résultat après avoir repassé les tricopines. C'est vraiment, vraiment un très, très joli point, les tricopines. Vous allez voir, il est très, très simple à réaliser. Regardez, on dirait de la dentelle, fait avec des aiguilles, accessible aux débutantes. Et vous avez vraiment, regardez, une écharpe, une étole, très, très, regardez, très, très souple, très, très sympa, les tricopines. Donc, nous allons passer à la réalisation. Moi, je vais vous expliquer avec une laine un peu plus épaisse. Donc, la laine que j'ai utilisée pour celle-ci, donc, moi, j'ai utilisé la laine Calinou de Bergère de France. Donc, je vais approcher un petit peu.
Voilà, pour que vous puissiez voir le point comme ceci de plus près. Vraiment, les tricopines, c'est magnifique. Regardez. Donc, moi, j'ai utilisé la couleur melon. Donc, c'est le 10-035. Donc, je vous mettrai en lien les références. Donc, de chez Bergère de France, la Calinou. Donc, voilà. Et je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Il m'a fallu à peu près 4 pelotes de laine. Donc, il ne faut pas énormément de pelotes non plus, les tricopines. Donc, vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Par contre, ce que moi, je n'avais pas sous la main, et là, je suis convaincue que le résultat sera encore plus beau, si on utilisait des laines style pure douceur, voire même de l'angora, pour obtenir vraiment un résultat beaucoup plus... Bon, regardez là, c'est très agréable, c'est très léger, c'est très souple. Mais si vous désirez, par exemple, le faire pour une mariée, sur une robe de mariée, en utilisant des couleurs beaucoup plus claires, la couleur blanche, crème, pailletée, métallisée, vous aurez vraiment un résultat sublime, les tricopines. Donc, nous allons passer à la réalisation. Et je ne vais pas vous dire comment vous allez obtenir ce point. Et je vais vous l'expliquer. Vous allez voir que c'est ultra simple. Alors, moi, je vous ai dit... Je pense que j'avais monté 85 plus 2 mailles de bordure. Ce sont des multiples de 5. Tout ça, ce sont des multiples de 5. Donc, vous allez prendre la laine de votre choix. Là, j'ai pris une laine qui se tricote en numéro 4, juste pour bien vous montrer. Vous allez monter le nombre de mailles que vous souhaitez. Donc là, je vous avais dit, vous vous souvenez, sans avoir repassé, nous avions 30 centimètres à peu près pour 85 mailles. Là, j'ai à peu près 57 mailles. Donc, on va dire quasiment ça a doublé. Si vous faites 30 cm, vous aurez à peu près 60 cm. Si vous faites 40 cm, vous aurez à peu près 80 cm de largeur. Au niveau de la longueur, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Peut-être que ça va jouer de 5 à 10 cm, mais pas autant que pour la largeur. Alors, une fois que vous avez monté le nombre de mailles dont vous avez besoin, donc je vais m'approcher. Une fois que vous avez monté, donc nous avons notre maille de lisière. On va tricoter notre maille lisière. On va tricoter une maille à l'endroit. Regardez, une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit. Donc ça, c'est notre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire encore un jeté et une maille à l'endroit. Donc au total, nous avons fait 1, 2, 3, 4 jetés. Au total, nous avons 4 jetés. Donc, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe mon fil derrière et je reprends une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je tricote 5 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière et je tricote une maille à l'endroit, un jeté. 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 Une maille à l'endroit. Et on termine avec notre maille lisière. Maintenant, les tricopines, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, je tricote ma maille lisière
et les mailles qui suivent, regardez, j'ai avec mes jetés, regardez, les jetés, je tricote à l'envers aussi. Je vais tricoter 9 mailles à l'envers. Nous avions 5 mailles, avec nos jetés, nous avons obtenu 9 mailles. Je passe mon fil derrière. Et maintenant, je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et maintenant, je vais tricoter 9 mailles à l'endroit, à l'envers, ainsi que mes jetés. Regardez. Je passe mon fil derrière et je tricote 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5. Je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 9 mailles à l'envers ainsi que mes jetés. Et je termine avec ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Maintenant, on répète, on va tricoter nos mailles à l'endroit, Donc la maille lisière, nous la tricotons et on va tricoter 9 mailles à l'endroit. On tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc 9 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. Neuf mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers. Neuf mailles à l'endroit. Donc vous pouvez très bien utiliser ce point pour les pulls, les tricopines, faire des bonnets éventuellement, pourquoi pas. Donc, et je termine donc avec 5 mailles à l'endroit et ma maille lisière. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez fait 12 rangs à peu près. Alors, là, c'est pareil les tricopies. Si vous désirez avoir le point fantaisie ici beaucoup plus large, vous faites 14-15 rangs. Si vous le voulez plus petit, vous pouvez faire 7-8 rangs. Moi, j'ai fait 12 rangs. Donc, vous tricotez 12 rangs à peu près. Vous comptez vos mailles comme ceci, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 rangs, et on se retrouve au bout du 12e rang. Une fois que nous avons terminé nos 12 rangs, alors je vais arranger un petit peu, voilà, donc je vais en retirer. Une fois que nous avons terminé nos 12 rangs, nous allons commencer à la formation de notre point. Alors, le détail ici, alors il y a un seul détail où il faut faire très attention à les tricoter. Il est très simple. Donc, le point, notre maille lisière. On tricote, nous sommes sur l'endroit. Je suis, regardez, sur mes 9 mailles en droit. Donc, ma maille lisière et j'ai tricoté une maille à l'endroit. La maille qui suit, regardez, je la laisse tomber de mon aiguille. Je tricote la maille suivante. La maille qui suit, je la fais tomber de mon aiguille. Je tricote la maille qui suit. Regardez,
La maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la fais tomber. Je tricote la suivante. La maille qui suit, je la fais tomber et je tricote une maille à l'endroit. Donc, je reviens à, regarder à mes 5 mailles de départ. Donc, maintenant, j'ai mes mailles à l'envers. Et regardez, nous allons tricoter une maille à l'envers, un jeté. Alors, attendez, je vais arranger ma caméra. Donc, une maille à l'envers. J'entoure comme ceci vers l'envers. Donc, je fais un jeté, je tricote une maille. Je fais un jeté sur l'envers, je tricote une maille à l'envers. Je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une maille à l'envers. Je fais un jeté et je tricote une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière et je refais, regardez, je suis sur mes mailles en 3 et je vais tricoter. Alors là, c'est là qu'il faut faire très attention. Quand nous sommes sur notre groupe de 9 mailles, donc ces 9 mailles peuvent être des mailles à l'envers ou à l'endroit. Donc là, nous les avons à l'endroit. Très important, tricoter la première maille. Et seulement après, vous faites tomber la deuxième. Vous tricotez la troisième maille à l'endroit, la quatrième, vous la faites tomber. Vous tricotez la cinquième maille, la sixième, vous la faites tomber, vous la glissez de votre aiguille sans tricoter. Vous tricotez la suivante. Alors, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a tricoté la septième maille. On fait glisser la huitième sans la tricoter. On la fait tomber de notre aiguille et on tricote la neuvième. Je passe mon fil devant. Et là, je fais une maille à l'envers, un jeté sur l'envers. Une maille à l'envers, un jeté sur l'envers. Une maille à l'envers, un jeté sur l'envers. Une maille à l'envers, un jeté et une maille à l'envers. Et maintenant, je tricote une maille à l'endroit. Je fais glisser la maille qui est sur mon aiguille de gauche sans la tricoter. Je tricote la maille suivante, regardez. Hop, je la fais tomber dans le vide, je la laisse. Je tricote la suivante. Je fais tomber, je tricote la suivante. Je fais tomber ma maille, je tricote la suivante et je termine avec ma maille lisière. Voilà. Et maintenant, les mailles que nous avons laissées tomber de notre aiguille, je vais les tout simplement regarder tirer comme ceci. Et je vais donc les défaire tout simplement. Donc c'est vraiment un point qui est très amusant à faire et qui avance vraiment très très vite les tricopines, vous allez voir. Vous voyez, vous allez défaire les mailles qu'on a laissées tomber. Et voilà, vous voyez, c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui donne cet effet-là. Donc, nos points bubble, ballon, pomme de pin, comme vous désirez les tricotines. Donc, maintenant, je tricote mes mailles pendant 12 rangs, comme elles se présentent. Regardez, j'ai mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. 3. 5 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit. Comme nous faisons des jetés, du coup, nous avons 9 mailles. Nous avons donc 9 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers.
on tricote, regardez nos jetés aussi à l'endroit normalement. Donc voilà, notre point fantaisie se compose exactement de cette façon-là. Vous avez vu, c'est très très simple. Une fois que vous avez fini vos 12 rangs, donc ça c'était notre 13e rang, et on reprend au rang numéro 1. Et maintenant, vous allez tricoter pendant 12 rangs. Une fois que nous avons fait nos 12 rangs, là, on regarde comment se présente notre tricot. Regardez, ici nous avons 5 mailles. Donc ce que nous allons faire, c'est notre maille lisière. Et puis, je vais tricoter une maille à l'envers, un jeté. Une maille à l'envers, un jeté. Une maille à l'envers, un jeté. Une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Soit au total, après notre maille lisière, nous avons 9 mailles. Et là où nous avons 9 mailles, au bout de notre 12e rang, nous allons réduire à 5 mailles. Donc très important, regardez, la première maille à l'endroit. La deuxième, je la fais tomber de mon aiguille sans la tricoter. La troisième, je tricote. La quatrième, je fais tomber. La cinquième, je tricote. La sixième, je le fais tomber. La septième, je tricote. La huitième, je fais tomber de mon aiguille. Et la neuvième, je tricote. Maintenant, je suis sur mes mailles. Envers, je tricote. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, un jeté sur l'envers. Une maille à l'envers, un jeté. Une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Je suis sur mes 9 mailles et là, je tricote la première, très importante, je lâche, je tricote une maille, je lâche la suivante. Je tricote une maille, regardez, je la fais tomber comme ceci de mon aiguille. De gauche, je tricote la suivante, je fais tomber et je termine par une maille à l'endroit. Très très important de commencer par une maille à l'endroit et de terminer par une maille à l'envers. Parce que si vous vous trompez ici au niveau de faire tomber vos mailles, vous pouvez avoir tout votre ouvrage qui peut se découdre jusqu'au bout. Donc faites très attention à ce détail. Une maille à l'envers, un jeté. Une maille à l'envers, un jeté. Une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers et on termine avec une maille lisière. Voilà les tricoteurs. Vous allez continuer exactement de cette façon-là tout le long de votre tricot. Les mailles que vous avez fait tomber ici, regardez, vous allez les découdre. Comme ceci, regardez, on défait, pardon, voilà. Juste à tirer dessus, voilà. Donc là, vous devez faire attention, c'est que, regardez. Donc, on décale. Ici, on avait commencé par faire notre point fantaisie. Et pour le deuxième point fantaisie, ici, regardez, nous avons tricoté à l'envers. Nous avons formé notre point fantaisie. Donc, à chaque fois, regardez, on décale. Et maintenant, sur celui que nous venons de commencer, nous allons faire notre point fantaisie. Regardez, on va commencer par notre point fantaisie. 5 mailles à l'endroit. Notre point fantaisie. 5 mailles à l'endroit. Et notre point fantaisie. À chaque fois, on va décaler. Il ne faut pas que, au rang suivant, juste au-dessus de votre point fantaisie, vous en ayez un autre. Là, le résultat ne va pas être joli du tout. Donc, il faut alterner. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, là, on avait fait notre point fantaisie. Regardez. Le suivant est là, celui d'après est là, et ainsi de suite. Donc, on décale un petit peu. Donc, voilà le résultat. Donc, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, les tricopines, parce que c'est vraiment très, très simple, très agréable à tricoter. Vous allez voir, même si vous faites
un étole comme le mien, vous allez voir que ça se tricote assez rapidement parce que c'est assez sympa. Vous avez donc, vous avez à compter à chaque fois, une fois que vous avez fait vos 12 rangs, après regardez, vous tricotez vos mailles normalement, une fois que vous avez fait vos 12 rangs, vous faites la formation de votre point fantaisie. Donc vous reprenez ce que je vous ai montré du début jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'ici, donc jusqu'à maintenant ce que je vous ai montré, ce que j'ai essayé de vous expliquer, vous reprenez jusqu'à la fin. Et à la fin, je vais vous montrer comment vous allez arrêter vos mailles, parce que là aussi il y a une toute petite technique. Donc là, je vous montre, regardez, je tricote normalement mes mailles. Donc une fois que vous avez fait votre point, vos jetés, après vous tricotez pendant 12 rangs vos mailles comme à ce présent. Et je vais vous montrer comment rabattre nos mailles. Après avoir terminé nos 12 rangs, on va supposer que nous avons tricoté notre étole, que nous avons la longueur souhaitée et nous voulons rabattre. Alors, pour rabattre, on tricote donc notre première maille et on tricote notre deuxième maille. On fait passer la première par-dessus la deuxième, donc la méthode du surjet simple. Et regardez, la suivante, je la fais tomber parce que nous sommes sur le groupe de 9 mailles. Donc, je vais tricoter la maille qui suit et je fais mon surjet simple. La maille que j'ai obtenue, je la remets sur mon aiguille de gauche et je vais la tricoter une fois. La maille qui suit, je la fais tomber. La suivante, regardez, je la tricote et je fais mon surjet simple. La maille que j'obtiens, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote une fois. La maille qui suit, je la laisse tomber. Et je tricote la maille qui suit, regardez. Je fais mon surjet simple, la maille que j'obtiens, je la tricote. La maille qui suit, je la fais tomber de mon aiguille, je tricote. Regardez ma maille et je fais un surjet simple. Vous voyez, ça ne tire pas, c'est pour obtenir. Donc la dernière, j'ai pas besoin de la retricoter et maintenant regardez mes 5 mailles qui suivent, je les tricote normalement, regardez, je fais mon surjet simple. Je rabats normalement et quand j'arrive sur mes 9 mailles, on va dire comme ça, regardez, je tricote, la première je fais un surjet simple, la deuxième je la lâche, la troisième qui suit je la tricote, je fais mon surjet simple, la maille que j'obtiens je la tricote, je fais tomber la maille qui suit, je tricote une maille, je fais mon surjet simple et la maille que j'ai obtenue je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. La maille qui suit, je la fais tomber, regardez, et je continue à tricoter. La maille que j'obtiens, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote de nouveau. La maille qui suit, regardez, je la fais tomber et je tricote la suivante. Et je fais passer par-dessus. Et maintenant, j'ai mes 5 mailles que je tricote, que je rabatte normalement avec la méthode du surjet simple. Parce que ici, là où nous avons nos 9 mailles, les tricopines, si je rabats normalement, on va avoir un résultat qui va serrer. Un résultat qui va serrer et on n'aura pas ce joli rendu, regardez, assez souple. Donc ça va rétrécir, si vous voulez, le haut de notre écharpe. Et maintenant la maille qui suit, je la tricote,
je fais mon surjet simple. La suivante, donc là c'est mon groupe de 9 mailles, je la fais tomber de mon aiguille. Et je tricote la suivante, je fais mon surjet simple, je la repositionne et je la tricote. Je fais tomber la maille qui suit, je tricote, regardez, je fais mon surjet simple. Je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. La suivante, hop, je la fais tomber, je tricote. Je fais mon surjet simple, la maille que j'obtiens, je vais la tricoter. Et la maille qui suit, regardez, je la fais tomber, je tricote. La suivante. Je fais mon surjet simple et je tricote normalement. Regardez, je fais la dernière maille et je fais mon surjet simple. Voilà les tricotés. Donc là, je vous l'ai présenté sur une laine plus épaisse. Et après, vous allez continuer. Regardez, une fois que vous avez terminé, vous allez défaire les mailles que vous avez laissées tomber. Donc, vous allez voir, c'est assez amusant et ça va vraiment très vite. Donc, voilà les tricopines. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà. Donc, vous pouvez très bien le repasser et vous aurez un résultat un peu comme ceci, regardez. Ou alors, le laisser comme cela. Vous aurez une écharpe assez originale. Voilà les tricopines. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Si j'ai pas été assez claire, donc je vous expliquerai dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel, les tricopines.